Santé pour l'homme total. Santé pour l'homme total, c'est aide pour corps, nom avec l'esprit, pour suivre exemple ça Jésus-Christ et qu'on fait sur la terre. Quel que soit ça qui est bon pour un être humain, n'a pas touché le programme ça, chaque samedi 8h pour 9h du soir, sur Channel 26 dans Boston, sous Gay Comcast.
Ou fait m'rive, ou fait m'rive. Côté m'a espéré avec ou. Fais-moi tant de cap chanter chant ça, alléluia. Ou levez-moi, retirez-moi poussière. Côte chorale, Jésus. Ou fais-moi river, côté m'a t'espéré. La terre est remplie de sa gloire. Hey! La terre est remplie de sa gloire. C'est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Adorez le Seigneur. Levez-moi. Dis alléluia. Alléluia. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci bon Jésus. Merci bon Jésus. Merci bon Jésus. Il mérite louange. Il mérite adoration. Il mérite remerciement. On nous dit merci pour ça, bien-aimé. Alléluia.
Alléluia. Monsieur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous rentrer la caille au week-end ça, côté que nous allons passer une très bonne heure ensemble, côté que nous allons commencer avec une partie dévotionnelle et puis parler un petit peu de ça qui concernait l'activité communautaire. Donc nous avons salué Pasteur Fleurissin qui ensemble avec nous à ce Pasteur Fleurissin, bon Dieu béni. Pasteur Vanel, bon Dieu béni. Bon Dieu merci, côté que li banon la vie malgré ravage que pandémie hein. Fait elle continue à faire mais nous capable crier Ebenezer jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Alors nous comptons pour nous ensemble avec toutes amis New York n'a mando partager ça avec un autre ami dit li programme pour là Total Health Christian Ministries li dans l'air ka aller sur www.cuencatv.net ou bien cuencatv.com et ou bien ou capable suivre li aussi sur câble télévision Comcast 729 et 293 sous habité dans l'état de Massachusetts. Nous remercions le Seigneur pour grâce que li accorde nos Vanel, nous capable toujours là pour nous capable servir dans capacité ça et servir communauté là. Pas pour aller plus loin d'abord rentrer directement dans et ti rubrique que nous gagnons sur aspect spirituel. La dernière fois nous avons eu opportunité pour nous élaborer un peu ou du moins introduire parabole ça qui parle nous de qui nous vient dans Matthieu chapitre 25 les 13 premiers versets qui censé parler nous de et parabole ça qui est extrêmement important, c'est qui c'est un warning, qui c'est un avertissement pour nous les chrétiens. Et qui était côté que nous t'ai gagné chance, nous t'ai fait comparaison entre ces 10 vierges et 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages, et nous t'ai gagné opportunité pour nous te montrer comment il y a en pile similarité dans et 5 folles et 5 sages ça yo. Mais nous t'ai fait rappeler que il y a une différence qui existait entre eux deux, c'est que c'est dans préparation. Préparation pour le retour imminent de Christ. Préparation pour le retour et le marié qui a dû rencontrer avec eux pour célébrer, pour aller dans la salle de noces là. Mais cependant, dans la période d'attente, ça, qui est censée troisième étape, et d'après coutume juif, là, pour entrer dans la salle de noces, la troisième étape là, mesdames, ça, vous êtes supposé aller, ordinairement c'est 10. Donc 10 vierges ça yo ordinairement yo allait avec lampio et non seulement lampio qui allume yo gagne l'huile etc là dans les qui permettent que yo capable recevoir le marié et puis peut aller dans et festivité ça nous réaliser dans et parabole là fait nous comprendre que gagne 5 là-dedans yo qui te prend avec yo extra l'huile en plus de ça que tu gagne dans lampio gagne l'autre yo également qui te prend l'ampio, sans doute qui te gagne l'huile là-dedans, et qui, à cause du retard qu'il prend pour le marié dérivé, donc qui fait que l'huile te gagne ensemble, t'es épuisé. Qu'on y a là, il y aurait été, il y a prétend, l'évin annoncé que, il dit voici l'époux. Et puis voilà que les 5 sages qui te gagnent l'huile avec eux, et en plus, ils ont set up l'ampio et puis ready to go. Et puis c'est là ça l'autre 5 folio, yo réalisé que yo l'ampio pas gain l'huile pour rentrer dans la salle de noces. Et c'est comme ça, yo dit mais partagez avec nous ça nous gain mesdames. Parce que nous là pour même bagarre, même cause. Mesdames, yo dit ça nous gain pas assez même à l'acheter. Et puis c'est dans situation ça aller retourner porte la guette fermée qui est en trop tard. So, nous réaliser que yo te gen pile similarité, yo tout t'ab dormi, yo tout t'es fatigué, yo tout t'es invité, yo tous les 10 t'es prend temps et yo t'es fait préparation pour t'es venir participer dans festin ça, mais yo t'es négligence et causer yo en pile tort, causer yo une déception, causer yo
yo pas participer après tout effort que yo fait puis ta rentré et participer activement dans festin ça yo raté le sauf nous te dit c'est un appel à la vigilance pour nous les chrétiens pour nous pas sentir nous trop confortable pour nous pas sentir nous trop à l'aise pour nous pas trop complacent pour nous dire que c'est comme si nous déjà arrivé déjà donc nous voulons insister sur ça parce que je vous dis hein, tellement gain trouble mondial ici aux États-Unis en Haïti ça qu'a fait et activité que n'a prendre télévision chaque jour nous tellement troublé bagage ça capable prendre l'esprit nous et puis nous oublier que nous gon rendez-vous nous oublier que Christ c'est le deuxième retour de Christ là l'imminent il est à n'importe qui l'heure parce que nous pas connait qui jour qui l'heure. Donc, nous t'avons continué dans le dialogue, ça, parce que Fleurissin. Bon, assurément, nous t'avons continué le dialogue, ça, sur le retard de l'époux. Et c'est parce que il y a une période d'attente. Mais dans la période d'attente, là, puisque tant qu'il y a tant, parce que plusieurs a propiné ce jour-ci, date n'a pas parlé du retour, Seigneur Jésus-là. Mon cher Gonzaguin, bon manger, bon bien boire, et puis l'aime mourir. Alors, pas gagner une préparation continuelle qui a fait dans la période de retard. Là. Et nous sommes capables de dire que c'est dans la période de grâce là que nous y est. Et si nous sommes capables de reporter dans la période que nous vivons là, c'est une période de grâce que nous y est, parce que nous voyons tout le monde vaquer à leurs activités, tout le monde présenter. Propre idéologie yo, tout le monde a un propre agenda yo, tout le monde a un propre intérêt yo, que yo continue à poursuivre, mais cependant sans faire aucune attention avec Santarelli la nécessité pour yo maintenir yon communion parfaite ensemble avec Jésus-Christ. Et c'est une raison qui fait que l'on garde dans verset dans Matthieu 25 les versets 7 comme l'époux tardait tout s'assoupir et s'endormir. Monsieur Bada, alors qu'on parlait de similarité qui existait entre deux groupes sao qui dans l'église nous très important nous toutes attendent. Mais cependant, il suffit qui travaille que nous fait en termes de préparation. En termes de préparation. C'est ça qui est important en termes de préparation. Li important. Il y a une bagaille que nous devons noter. On sait que dans l'église, les dimanches matins, tout pour habiller pour toute l'argent. Personne n'est pas capable de dire qui laisse dans frère ça, dans soeur ça, qui n'est pas prêt vrai pour le retour de Christ. Alors, puisque nous ne connaissons pas qui jour, qui l'heure, dans qui occasion, c'est comme si c'est un appel pour nous toujours mettre nous prêts. Sans doute, il y a nous qui dit mais yeah, pour plus de 2000 ans, comme vous avez dit, et il a répété même bagaille ça, ça pas qu'on arriver. Mais nous pas réaliser que c'est plus chance que bon Dieu bon nous pour nous capable et ranger pieds nous, ranger causer nous. Qui sait? Jodi hein, nous vinn rappeler au de en parabole ça que en pile dans nous connaît. M'pa gagne peut-être en pile leçon que m'pa ban nous, mais en pile dans nous connaît parabole là. Nous connaît leçon qu'on doit tirer là-dedans. Mais son rappel pour nous-mêmes, parce que la pandémie est tellement et nous overwhelm, tête nous chargée, monde dans tellement de problèmes, je veux dire, ou bien nous oublier vraiment si on retour à venir parce que ou tellement de problèmes à vie, il est capable d'occuper l'esprit. Et un aspect qui existait aussi, Pasteur Varnel, plusieurs personnes qui ont regardé ce comportement, attitude, action, l'autre monde qui est dans l'évangile depuis longtemps. Depuis longtemps. Je dis, bon, regardez, monsieur, qui là depuis 30 ans, depuis 50 ans, bon, monsieur tombé. Oui, moi, je dis, bon, je dois prendre chance, moi, tout. Et pendant ce temps, ça, par contre, qui, encore, oui, par contre, qui l'a mettre là, a fini pour ça capable de faire. Ce sont moyens, bon, moment, c'est une opportunité pour continuer à préparer. Et l'apôtre Pierre, très clair dans ça, 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, c'est une raison de l'éo? Oui. Alors, il y a une bagaille que nous sommes capables de réaliser, nous, et ça, nous avons assurance. Nous avons dit, bien,
me fait tout temps m'a paye d'assurance bon même gain 20 ans ba jamais gain incident mais puis m'a paye encore ça son comme j'étais et puis mon dit ben m'a cancel police ça ou connaissez pendant mon cancel police et puis un incident arrivé gain moun qui dit mais m'gain 20 ans 30 ans 40 ans dans l'évangile moi paye dit moi toujours dans toute réunion moi toujours dans tout m'ba comme dans mission moi le monopove mais me fait tout ça qui est essentiel pas plutôt moi juste un petit genre relax et puis c'est les ça si l'épouse venir mon ça tellement dans sommeil spirituel ça il pas levé et puis l'elle t'a venir se réveiller là regarder dit oh l'épouse est en venir là aller qu'il y a ou tout raté rendez-vous ça alors ça veut dire pasteur Van Allen vous avez ton bagage c'est que tout le monde ça gagne lampe gagne lampe dans mais tout le monde gagne lampe yes mais il y a pas gain l'huile il y a pas gain l'huile c'est problème so n'est pas gain l'huile pour venir aller pour venir l'eau aller pour set up lampe lampe pas allumer et moun ça tellement pas prendre soin lampe là qu'on y a là par contre qui mécanisme et par contre qui ça pour le faire pour l'activer lampe là donc avait dit que l'huile lampe spirituelle non supposé rester l'humain de telle sorte que à n'importe qui le et dit Jésus-Christ est à la porte et puis Jésus-Christ rivé et puis qu'on y a là pour dire on est prêt pour aller. So, ça t'a demandé que nous mêmes qui chrétiens qui peut-être dormi sous parabole ça sont appel à la vigilance pour même pour moi pour nous checker marche spirituelle nous. Ce moment pour nous faire un inventaire pour dire mais côté m'étais pendant 5 10 ans passé. Bon, on pas parler plus loin, non même 3 ans tout passé. Alors pasteur Vanel gon aspect qui est très important aussi. Mm-hmm. Est-ce que cinq qui étaient sages, est-ce que yo égoïste du fait que yo pas partager ça au gain? Alors non, gon c'est pas quelque chose. Gon série de aspects. La Bible demande faire nous généreux. Oui, ben gon série de aspects spirituels. So c'est moi et moi seul. Ah. Maman pas qu'à faire pour, papa pas qu'à faire pour, madame ou mari. Donc c'est ça que le salut est personnel. OK. So ça veut dire que et son exemple tout pour moi avec ou pour amener nous on pas qu'à blâmer l'autre mesdames yo ça nous les sages yo pour qui ça yo même yo trouver le nécessaire non seulement pour prendre l'ampio yo prend extra l'huile c'est parce que tu gagne essence message là qui dit que well et l'époux capable tarder pour le venir mais l'a venir quand même l'a venir quand même OK donc moi paré à n'importe et éventualité gain pour moi pas raté et événement ça mais l'autre 5 yo pas parce que pas de lampe n'a gain temps mais yo pensé que tout temps pour yo pensé c'est one shot deal depuis arrivé les pour venir yo allez mais yo fait préparation quand même mais yo pas allé in depth yo pas prudent assez pour faire provision pour éventualité pour état ça donc c'est rappel ça que nous t'a appelé nous même cap suivre mission ça pour nous et rallumer lampe spirituelle nous pour geste spirituel nous rester ouvert pour oreilles nous et prêt pour tendre pour nous dire hein m'pas penser si tu gagne toute bagaille ça là vraiment les 10 vierges et 10 et 5 vierges et 5 sages 5 folio yo semblait en pile mais c'est comme ça nous même qui l'église nous semblait en pile. En pile dans nous dans l'école du dimanche, nous connaissons tout verset biblique qui existait, nous même bon et prédicateur de l'évangile, nous aller dans mission, nous depuis gon service spirituel on côté, nous tendez gon musique, nous là, nous donnons. Mais ça pas garanti que ou pas participer dans nos ça, dans festin ça, sous pas ranger et lampe spirituelle, soit mettre l'huile dans lampe. Non, assurément. Pasteur Luckner L. Joseph toujours dit, de le paraître l'église le dimanche matin, il trouvait un pile chrétien chita, bien belle, apadoré, très sophistiqué. Mais cependant, il dit, son seul monde qui connaît ça dans le cœur, c'est bon Dieu seulement. Amen. Son objectif là, c'est continuer à parler avec nous et encourager nous pour nous capables de demeurer fidèles. Et lui encore, servir bon Dieu dans la fidélité. Parce que nous avons un bon Dieu qui est fidèle. Nous avons essayé de comprendre ça. Il y a deux fois où il y a bronché, il y a deux fois où il y a découragé, où il y a stressé. Il y a deux fois où il y a même perdu espoir. Mais ça, a besoin de reconnaître, besoin de retourner et rentrer dans vous-même.
Parce que 1 Jean 1:9 dit, si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ est fidèle et juste, immédiatement pour nous les pardonner, immédiatement pour nous purifier de toute iniquité. Alors c'est ça que existait pour qu'on y a là. Nous avons un moment retard là, très important, de delayed moment. So, il y a un bagage pour essayer de connaître que dans un moment ça, au besoin encore de Seigneur grâce et courage pour qu'il a toujours été persévérant dans sa parole. Et c'est ça. Et maintenant, rappelons que il y a un bagage pour nous connaître. Vie spirituelle, soyez aujourd'hui dans l'église, l'écouter Jésus-Christ en pile. L'écouter bon Dieu en pile. Parce que dans le jardin d'Éden, nous t'es condamné à mort. Jésus-Christ ouais souffrance nous, lui ouais peine nous, lui vient il prend place nous. L'écouter l'empile. So, koto yé jodi, pas garder derrière. Fixer jour sous lui-même et fait travail qu'on doit faire. Faire un inventaire, faire un tune-up spirituel. On marche toi avec le Seigneur. Pour dire que pour pas la chanter chanson qui dit à la regrettant pour date ma travail. Pour ne pas hériter celle-là parce que ou tellement négligent ou tellement trop confortable. Or, m'a passé à travers du feu. Nous voulons encourager pour checker ma spirituelle. Pour être en éveil, pour être vigilant, parce que le retour de Christ est proche. Et vous n'avez pas qu'on doit faire tout. Ou pas d'être égoïste. Ou pas d'être ou tout simplement. Blessing ça, bénédiction ça qu'on recevoir de Christ. Ce don précieux que nous recevons en Jésus-Christ, faut nous partager avec tout le monde. Il vient déboucher sur ça, donc l'évangélisation. Faut nous prêts pour nous évangéliser le monde. Comme ça, il va connaître bonne nouvelle ça. Si les 12 disciples te kembe, la bonne nouvelle de l'évangile pour eux, même seulement pour les juifs, je dis à moi avec vous, nous pas là. Ça veut dire que nous avons une responsabilité pour nous partager foi chrétienne nous avec l'autre monde. Comme ça, il va passer de ténèbres à la merveilleuse lumière. Ainsi, nous prions. Seigneur, nous remercions pour grâce et bonté envers nous-mêmes, du fait que vous permettez que nous capables toujours vivants et pour nous capables raconter merveilleux. C'est vous seul qui est capable de rendre possible. Merci pour la préservation, la respiration, le mouvement et l'être. Et nos réactions de grâce avec nous-mêmes, du fait que nous reconnaître qui est-ce que vous êtes, le Sauveur, le Rédempteur, pas gagner salut, en aucun autre nom, sous ciel, là, en bas terre, dans ciel, là, sinon dans le nom de Jésus. Merci du fait que nous avons fait la paix avec nous-mêmes. Nous sommes capables de continuer à accompagner Petit Tuyo qui déjà faire la paix avec vous-même. Mais ça, oh Dieu qui était déjà avec vous-même, okay, qui branchait sur route là, qui tombait, bah, le courage et la force nécessaire pour être capable de recommencer encore le chemin avec vous-même seulement. Et ça, pour qu'on ait aussi, Seigneur, nous sommes capables de toucher cœur parce que vous venez chercher et sauver tout ça qui perdu et tout le monde qui croit dans vous-même, Seigneur Père, vous garantit, vous va gagner la vie éternel avec nous-mêmes pour le temps, pour l'éternité. Accordez avec petit tuyau au Dieu, ça a besoin, pour être capable de faire face avec les vicissitudes de certaines vies, Seigneur Père, avec les problèmes, les calamités aussi et les surprises de cette vie. Parce que vous baillez force avec tout ça qui est fatigué et ou augmentez vigueur de tout ça qui est tombé en défaillance. Merci. Nous réclamons grâce encore sur le ministère de Total Health, que grâce va continuer à accompagner nous, ouvrir porte pour nous-mêmes, Seigneur, parce que c'est vous seul qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Nous réclamons toute grâce à vous, non en qualité de monde qui bon ni qui digne, mais d'après mérite Jésus-Christ petit tout, lui-même seul qui vive et qui brille au siècle des siècles. La vie fait noir, mais ou pas besoin peur, ta lèvre elle fait clair. Au mes bon Dieu, yo là, Christ pas plagué ou yon maï, deye mon yo clairé, soleil a pas levé, qui t'était tout posé, Christ pas plagué. Li connaît toute bagaille, malgré pression la terre.
sou nan bon die depi ou ap viv toujou se paske l reme ou nan kris pou chak problem genye yon solisyon sel bagay rete fem nan chak sityasyon ki te te tou pose kris pa plage Financial Services, 1550 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-296-6000. Fax 617-296-6002. Varnell Antoine, Grace Community Realty. 1424 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-828-7443. 617-296-5552. Là, nous avons l'autre spécialiste en médecine qui est ensemble avec nous-mêmes. Et nous allons présenter avec nous-mêmes. Et il va dire qui est-ce que lié et qui ça que nous va parler jeudi à là, parce que nous connaissons ces périodes de fêtes, de festivités, holiday, qui ça pour doit faire, qui ça ou pas doit faire. It's a real pleasure, again, to have you, Dr. Stinchers, to share this program television. Last time we had you in a press conference with Equity Now and Beyond. Yeah, that's correct. But today we have you with the Haitian audience, the Haitian community, again to talk about the do's and don'ts regarding the holidays. But before we do that, can you tell our community who you are and what you do at this point so that we will know? And I will do the interpretation in Haitian Creole and teach you a few words. That sounds great. Good morning, everyone. I'm Dr. Sarimer Sanchez. I'm an infectious disease clinician. I'm a doctor, and I also work for the Boston Public Health Commission as a medical director for infectious disease. Moi c'est docteur Sarimer Sanchez, moi c'est un docteur en médecine et c'est moi qui directeur responsable de département maladies infectieuses pour Boston Commission publique. C'est là que moi travaille ensemble avec eux-mêmes. Là, moi content pour moi ensemble avec eux-mêmes.
Now you tell us who you are, what you do. You're working with the Boston Public Health Commission around infectious diseases. And what is your day-to-day operation in terms of, you can tell us? Well, my day-to-day can look very different. Days like this where I get to have the privilege of being here in our communities and talking to sort of our residents about communicable diseases such as COVID and flu and providing education and trying to really overcome a lot of the inequities that many of our communities that have been most impacted face. Again, demandez-le comment que travaille chaque jour, comment ça y est, elle dit, il est capable de changer, il est varié, il est bien content, je dis, là, pour avec résident dans la communauté, pour capable de partager une série de maladies qui communiquent aussi facile, COVID-19, et parler de flou aussi, pour capable de faire ça, et son plaisir, pour capable de communiquer avec nous-mêmes et expliquer nous comment nous capables de continuer, prendre précaution sous question de maladie, ça. Now, come up. Now, let's talk about the do's. This is the holiday season. People say, oh, it's a party time, or some people, it's a reflection time. Some people said, I just don't know. What should I do? Because we are still in a pandemic season, and flu season, COVID is not out yet. So what can you tell us? So we are seeing a lot of flu in the city. We're seeing rapid rises of flu cases, and we're also seeing rapid rise in cases of COVID-19 as well. So I think there are a few important do's. Translator, should I go? Good, yeah. So nous avons un pile augmentation de contamination avec maladie grippe, ça, que nous avons les flu, et nous avons un pile augmentation de maladie de COVID-19, là, que nous avons bon, ici. Et puis, un peu bagaille que nous avons fait. All right. And we're also seeing our flu hospitalizations rise across the city. So the big do's are get vaccinated. So everyone should get their annual flu shot, and everyone should get their booster if they haven't for COVID-19. They were just approved for even young babies 6 months and older. So nous avons un pile augmentation de cas d'hospitalisation de flu dans l'hôpital New York. Eh bien, puis gros bagaille pour nous capable faire, c'est pour nous capable vacciner. Si nous pouvons vacciner, nous devons vacciner. Et puis, il faut être capable de prendre un vaccin pour grippe, là. Vaccin flu, chaque année, nous devons prendre. Troisièmement, il faut qu'on ait que vaccin pour booster COVID, là, il déjà éligible et disponible pour enfants, petit monde qui gagne l'âge de 6 mois. You said 6 months? Yes, and that's also for flu. All everyone 6 months and older can also get a flu vaccine. Wow. So, quel que soit timounan de 6 mois et plus, li capable prend yon vaccin pour flu et puis vaccin pour COVID. So, meaning that the do's, get vaccinated pour vacciner, just get boosted, okay? And even the children needs to get vaccinated as well. Yes. The vaccine really protects children and adults from getting sick and being in the hospital. And we see a lot of children that can get sick, especially from flu. And we see our hospital rates rising among children from flu. Nous voyons que le taux d'hospitalisation pour Timounio continue à augmenter et nous t'a encouragé pour capable vacciner Timounio contre grippe là qui a fait ravage. Then I just got a question while we're talking about the children. Many parents are afraid. Especially Haitian parents, are afraid to get their children vaccinated, saying or thinking that the children will somehow be impacted cognitively by having the COVID-19 vaccine. What can you say? No, it's a very common concern that we hear. And obviously, parents really want the best for their children. There have been no associations between the COVID-19 vaccines and flu vaccines in any cognitive challenges. So I just want to make that very clear that there's no association that we've seen. So, Dr. Sanchez, nous connaissons que pas une association avec question de les cas un problème, les pas capable d'apprendre, les cas affecté développement éducationnel, académique, ou bien à impacter ses cerveaux timounza. Il fait qu'on que pas aucune association du tout que vaccin COVID, que vaccin flu, pas gain ça du tout. Now, we have many people who got vaccinated and got COVID. So, how
can you explain that to them? Say, well, the fact that I know if I am vaccinated, I should not be impacted by COVID. How can you answer that question? I think the biggest protection that the vaccines offer us is from landing in the hospital and from needing a breathing tube, needing oxygen, or even dying. So I think both the COVID-19 and flu vaccines, they're not perfect. We might get COVID-19 and flu, but we're going to be able to recover and stay at home and recover in a few days. So that's really important. L'important pour essayer comprendre, c'est que bénéfice vaccin, hein, vraiment vrai, c'est pour capable aider, premièrement, pour pas l'hôpital, deuxièmement, pour pas gagner un tube pour respirer, pour entrer dans le respiratoire, et puis troisièmement, ou bien pour pas mourir. Ni vaccin COVID là, ni vaccin flu a aidé au combattre aspect ça yo, au pas tomber dans l'hôpital et la protéger parce que c'est très important pour essayer de comprendre c'est ça que vaccin fait pour même. Now talking about long COVID, I just got a friend of mine who said, well, since I have COVID, I have no smell. I cannot smell anything. Again, what are the symptoms basically that's long COVID and how to deal with that? Yeah, long COVID, we're still learning a lot about long COVID. Long COVID is when sort of symptoms last, especially if they last more than 6 months after the initial infection. And they can be a few key ones, shortness of breath, ongoing chest pain. A lot of people have memory and sort of some memory issues, fogginess, and some other kind of neurological symptoms. So it can look like a lot of different things. Fatigue is one of the most common as well. Nous connaît que un pile monde qui gagne COVID, il continue subit une série de problèmes après que fin gagne COVID là, monde capable fatigué un pile, monde capable pas capable respirer rapide, c'est tout le temps souffle coûte. So tout aspect ça et nous continue à pas prendre davantage concernant long COVID parce que les causes après même maintenant que fin COVID. Now, there's a treatment basically that can help with long COVID. Yes. Well. So the treatments for long COVID are still under investigation, but there are doctors across the city that help patients with long COVID manage their symptoms. Yes. Thank you. So, demandé, est-ce que il y a un traitement pour question de long COVID là? Au fait qu'on est que toujours à la recherche, il a continué à investiguer qui type de traitement, mais il y a un docteur qui est capable de prescrire quelques médicaments qui a aidé à faire face avec la question de long COVID là, parce qu'on prend et il continue à demeurer sur eux-mêmes. Now, we talk about the do's for the holiday seasons. Yes. And what are the don'ts? Well, there's a few more do's if I okay, could few add. Go there's ahead. A yeah, few more few do's that yeah. are really important. And actually, yeah. one of them that we just talked about. So the other one I would say is, you know, do get tested, especially if you're having symptoms of a cold or any, you know, fever, cough. So that's one of the all the do's. And if you are feeling sick, stay home and avoid seeing others. Ah, attendez, il y a un autre bagage qu'on doit faire, c'est ça qu'on a parlé. Ou capable de prendre un test et il y a un test disponible qu'on y a là, gratis, ou pas payer pour ça. Et puis, l'autre bagage qui gagne, elle dit, ou capable de pas arrêter dans le temps monde sous sentir ou tester positif. Et il aussi encourager nous, sous malade, arrêter la caillou pour capable de pas infecter l'autre monde. Mais vous sentez ou grippé, essayez normalement de prendre un test. Yeah. Nowadays, the test, COVID-19 test, readily available. So that's not a problem. So we have a few free walk-in clinics of the city of Boston. They are no insurance or ID is required. We see patients of all ages for both COVID-19 tests as well as COVID-19 vaccines and flu. So yes, so stop right there because yes. People told me that sometimes when they go to get the flu shot, they ask them for insurance, and those people. And on the verge saying, well, should I go? Should I go? So you're saying that you do have the public, the Boston Public Health Commission has a few walk-in clinics where people can go. Oh, let me say that in Haitian Creole. So, Gayon, appeal, you're déjà placé pour nous-mêmes, your série de sites pour que vous capable à prendre vaccin, ni vaccin COVID-19 là, ni vaccin flua pour grippe là, ou pas besoin by aucune assurance. Vous entendez? Et ou pas besoin by identification, on n'est que aller et puis y a pas mesure pour être capable de ou vaccin. Even tested as well at some of the centers yes, offer we that. Yes, we have COVID-19 testing. Yes, PCR and testing. It's all free.
Yes, it is free. No insurance? No insurance, no ID. Entendez? So, tout bagay sa yo, wap vaccine, wap pour COVID-19, wap vaccine pour flu, et puis yap testé ou pour flu gratis, ou bagay 5 kop ko wap paye, et so c'est de clinique qui ouvri pour ou même. Are those clinics open every day? So, I have the hours each of the clinics are open. Yeah. So, we have 4 sites that are open, the BCYF Hyde Park at 1179 River Street. That's open Tuesdays from 12 to 8 p.m. So, nous gagnons au bureau, nous gagnons un site là qui ouvre dans community centre, centre communautaire qui est dans Hyde Park là, qui est dans 1179 River Street, qui ouvre de mardi à Tuesday and until Saturday? 12 to 8 p.m. No, that one's Tuesdays, 12 to 8, and Thursdays, 7 a.m. to 3 p.m. Okay, so mardi, 12h pour 8h, midi pour 8h, et puis jeudi, encore midi pour 8h, dans Hyde Park. Correct. And then we also have the Bruce Bowling Building in Roxbury. That's open Tuesday, Saturdays from 12 to 8 p.m. Tuesday and Saturday. Through Saturday. So Tuesday, Wednesday, Thursday. Oh. Yeah. Et y a un lot qui ouvre dans le gros building qui est le Bruce Bowling, qui est dans Roxbury, là, qui ouvre de mardi jusqu'à samedi, depuis midi jusqu'à 8h, où on doit aller. Yeah. And then we also have the Lena Park Community Development Corporation. That's in Dorchester. And that's open Sundays, Mondays, Wednesdays, and Fridays. Different hours, but they're open many days. Et na fokon e geun ki na Lena Park la, ki na Dorchester, ki ouvri depuis dimanche. Yo gen diferent heures, mais on kapab ale, pou kapab ale nan bagay sa yo. Yeah, and then finally, the Josephine Florentino Community Center in Alston is Sundays from 12 to 4, and Mondays through Wednesdays, 9 to 3, and Thursdays from 5 to 9. So you get Josephine qui ouvre dans Alston, c'est bon dans Alston, c'est allez, what's the address of the Alston? 123 Antwerp Street. 123, yeah. Mm-hmm. 123 Antwerp Street, c'est là que you y est, et you ouvre du lundi midi, lundi 3h, 4, 7h, you get différents heures. So you get 400 dans Boston qui ouvre, Lena Park n'a habitué avec nous, Rochester, c'est Community Center qui n'a Hyde Park là, 1179 River Street, et puis il y a un Bruce Bowling Building qui n'a Roxbury, pour capable aller là, aller prendre un vaccin. Booster available as well? Mm-hmm. Okay. All the boosters, all the COVID-19 flu vaccines. COVID-19, yeah. Flu vaccine, no yeah. insurance. So, pas besoin d'avoir aucune carte d'identification, pas besoin d'avoir assurance, ou à permettre qu'on ait accès avec vaccin, avec booster, et puis non seulement pour vaccin pour COVID-19, mais aussi vaccin pour flu vaccin. Alors, tout bagage ça est gratis que vous mettez disponible pour capable servir toute communauté qui l'a. Well, so grateful for you just to bring this valuable information mm-hmm. to my community, the Haitian yeah. community, because this is a show for the Haitian yeah. community in Haitian Creole. So then we cover a lot of do's. What are the don'ts? One more final do. If you do get sick, two more do's. First of all, if you do get sick and you have symptoms of a cold, a fever, cough, and especially if you're older or you believe you might be at risk for severe disease, mm-hmm. call your doctor. There's treatments for both flu and COVID-19 that can be life-saving. Bon, l'autre bagay kon ta rime fè, sou san tou malade. Et spécialement sous senti situation santé ou réellement a bay problème, rele docteur. Et docteur a gagné médicament pour vous-même, ni pour flu, ni pour COVID-19. Là, je vous encourage pour les docteurs. Mm-hmm. And then the other final do is, you know, if you really want to protect yourself from getting sick this season, masks still really can help. They can help protect you from getting COVID-19, flu, RSV. So I would say, especially if you're older or you're at higher risk for these diseases, I would continue to wear a mask. The other thing I would say is if you're feeling sick and you can't stay at home and you need to be around others, wear a mask as well. So, l'autre bagay que m'ta dernière recommandation que m'ta remet fait nous connaît c'est que il nécessaire. Sou senti ou pas senti ou bien ou pas vler rete bon côté moun ou bien sou senti santé ou réellement bay quelque problème là eh bien toujours continuer mettre masque nous ouais mettre masque moyen parce que masque avec lui même il nécessaire pour capable mettre masque là parce que masque là a protégé ou. Et sou senti que ou pas arrêter en dans cas là ou pas senti ou bien mais on pral dans mi-temps en foule eh bien mettre masque parce que masque là continuer et protège. So there are really benefits from wearing those masks.
There are. I mean, you know, definitely, again, especially if you want to keep yourself from getting sick, enjoy the holidays with your family. Or again, if you're sick and need to be around others, it's a good idea to wear them. En plus, le bénéfice pour gagner un masque là, sous sans sous pas porter bien, alors nécessaire pour mettre masque, nous recommandons ça. Très important. L'église, nous recommandons qu'on mette masque pour capable faire ça. We finally get the dot. Well, again, I think the don'ts, let's think about the don'ts. I would say one of the don'ts is, again, if you're feeling sick, don't try not to be around others if you can. You know, I think that if you have any symptoms of a cold, really try to stay at home. Don't go, you know, don't go to work or school. Maybe that's the first one. Exactly. And don't say that the vaccine doesn't work. Help. I'll go to that second one. Yeah. And then that's the other thing I would say, you know, don't. So that's the first one. Don't go to school or work if you're feeling sick. Mm-hmm. Try to stay home. Okay. So, sous sentou malade, m'arrête de travailler là, pas le travail, pas l'école aussi, rete de ça, et puis pas dit que vaccin n'a pas qu'à aider. Vaccin a réellement aidé. Alors, c'est conseil ça que nous devons porter pour vous-même jeudi. Dr. Sanchez, we are so grateful just to have you with us. Again, a last word for our community. Well, the other thing I wanted to mention is we also have another vaccine clinic at the BCYF Gallivan Community Center here in Mattapan. And that's this Monday, December 19th from 4:30 p.m. to 7:30 p.m. So that we're also going to be offering COVID, flu, and all the boosters. Okay. Good, good. So, centre communautaire qui est dans Gallivan Boulevard, là, il a pour ouvrir lundi qui c'est 19, depuis midi, et il faut qu'on ait que dans centre ça, gagne non seulement COVID-19, gagne flu vaccine, et puis gagne test aussi que au capable prendre lorsque vous visitez centre ça. So, you're telling me that those centers are open and no appointments are required. Is that true? No appointments are required. Uh-huh. So, nous essayons de comprendre ça. Il est réellement disponible pour nous-mêmes. Ce n'est que aller prendre vaccin. On pas besoin de payer 5 cop, on pas besoin de assurance. Et vous pas besoin de mettre rendez-vous. Ce n'est que aller dans le local que nous avons. Voilà. Et sous tablier. What about someone forgot, didn't know all the different locations and where they could readily have access to those locations? Well, it would be our boston.gov website and would have all the information on the ones that are open. I'm glad you say that. Yeah. So, si vous parlez de songer tout bagage ça, ce n'est que aller directement dans site internet that Boston Public Boston Public Health Commission. Boston Public Health Commission. Okay, ou ap gagne toute adresse yo et tout horaire yo qu'il a. Alors, c'est ça que pour capable faire ça pour nous-mêmes, programme télévision ça vinn jwenn nous pour capable aider ou comprendre nécessité pour être en bonne santé. C'est ça que nous fait là pour être en bonne santé et docteur Sanchez qui travaille avec question de maladie infectieuse pour Boston Public Health Commission, li vini pour capable aider ou comprendre comment pour passer une bonne saison de fête pour pas gagner tête chargée. Again, so my hat off just to you. For the kind of time out of a busy schedule, just to be with us this afternoon and to convey the greatest valuable information to my community. Of course. So grateful to you. Of course. For all your assistance, and especially not only to Trident Center, my organization and HAU and IFC, but also through all the other coalition members, Alpha Agencia, Brazilian Women's Group, Center to Support Immigrant Organizing, CSIO, as well as ASEDON, African Economic Development Corporation. We are so grateful for all your support, ongoing support, basically, because we are in it together. Okay. No, it is an honor to be here, and we thank you for all of your work, you know, with our communities. And so, again, thank you. Thank you so much, Dr. Sanchez.
premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est vrai Dieu. Fais-moi tant de capter ça, bien aimé. On y est pas plus passé, on y est pas caribalisé. Lisse premier, dernier, c'est vrai Dieu, oui c'est. Seigneur ba ou tout kèbre, Seigneur ba ou tout kèbre, remet la vie, Seigneur ba ou 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 la vie, levez ma voix dis ça, Seigneur ba ou tout kèbre. Seigneur, ba ou tout ke moué. Seigneur, remettre la vie moué. Seigneur, remettre la vie moué. Seigneur, ba ou tout ke moué. Seigneur, ba ou tout ke moué. Seigneur, ba ou tout ke. Nous sommes suivis. Santé pour l'homme total. Un programme qui fait pour bien-être communautaire et qui vise santé l'homme en entier. Corps, âme et esprit. Ou capable briller 617 828 74 43 ou bien email dans thcministries@gmail.com.